temps sur les hippodromes. C'est le monsieur transport. Donc il vous présente aujourd'hui, le virus l'a pris, il veut des chevaux, il en a. C'est sa première jument, hein, Bruno? En accu. Ah, non, mais les autres ne comptent pas pour nous, c'est bien. C'est sa première accu PS. Ah, arrêtez avec la jument, la... et puis elle va avancer. Donc elle est au 8 mètres, jeune pouliche. Elle est descendante quand même. Attention. On va marcher? Donc c'est le père et le fils devant vous, avec une pouliche par Sildar et une fille de Lavron, Saoma. Et c'est une jeune jument qui pour l'instant n'a produit que deux pouliches, une placée en plat par les joueurs. Revenez. Mais elle, Saoma, était gagnante aussi bien en plat et en obstacle, elle s'était placée en Angleterre. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce retour à l'élevage en France. Pas si fréquent que ça. Et maintenant, nous avons... Vous avez perdu le numéro. Ah, j'ai dit le numéro de début pour ceux qui étaient à l'heure. C'est le numéro 11. Alors, monsieur Coudet, le représentant des propriétaires, vous connaissez récupérez votre numéro, monsieur. L'organisateur de voyages remarquables. En haute forme, il faut le voir. C'est sûr que la taille de haute forme est ajustée, ça vous le savez bien. Vous en doutez. Voilà. Voilà. Et donc le monsieur est très content, il se rapproche d'un poulain de Sildar, parce qu'effectivement Sildar, qui est une vache pur sang, à très haut niveau, et c'était une chance pour la QPS d'avoir, pour la race, d'avoir cet étalon qui est officier au Lyon et qui est officier au Loranger, le roi du Lyon. Et donc cette pouliche, si vous regardez bien en deuxième paire, c'est une souche, pour les connaisseurs, c'est une souche. Quidditch.